Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'URSA en 300 mm d'isolation que je vais poser dans les combles. Donc ça va être très simple à poser en applique hein, sur un support mural. La petite astuce que je vous donne avant d'aller chercher votre isolation, c'est bien entendu de comparer et de faire des devis à point P par exemple. Parce qu'il peut y avoir des écarts assez importants. Donc aujourd'hui, ce que je vous conseille toujours avant de dérouler l'isolation, c'est de vérifier, vous voyez, comme ici, que ce ne soit pas déchiré. Hein, voyez. Donc là, ça a été déchiré au débarquement du véhicule. Mais bien souvent, au magasin, ça peut être également déchiré. Je vous conseille également de bien vérifier ce qu'on vous donne parce qu'il peut y avoir des petits soucis entre le magasin, c'est-à-dire la personne qui vous délivre le bon et la personne qui vous livre. Donc toutes les indications sont marquées ici, d'accord. La résistance thermique, l'épaisseur, voilà, la hauteur du rouleau et la largeur. C'est-à-dire la longueur établie. Voilà. Donc,